Mes chers amis, bonjour. Souvenez-vous, dans ce monde, il y a des cyclones. Et dans ces cyclones, il y a l'œil du cyclone. L'œil du cyclone où tout est calme, où il y a un calme total, un silence total de toute l'activité du vent. Dans nos vies, nous avons tous eu cette chance d'avoir exercé, pu expérimenter ces vents, ces bousculades, ces désirs, ces envies, ces déceptions, ces frustrations. C'est le vent. C'est le vent qui bat son plein. Mais au-delà de tout ça, il y a un calme absolu. Un endroit où se réfugier de toutes ces turbulences de la vie. Pouvons-nous le faire? Est-ce que nous en sommes capables? Alors, nous avons toute la possibilité, nous, êtres humains, de retrouver la nature profonde, de toute la capacité profonde que l'on a de se ressourcer à la source où tout est parfait, tout est calme, tout est dans un endroit absolument extraordinaire, la paix. Et cette paix, pour l'avoir, il faut que on puisse comprendre qu'on est chahuté, que tout se passe dans la déception, dans l'insatisfaction. Et en voyant tout ça, nous avons tous cet élan qui nous instigue et nous dit « va vers la paix ». Et pour aller là, bien sûr, il faut que tu abandonnes le plaisir que tu as eu dans ce vent, dans ces bousculades, dans cette vie mondaine que tu as eue, avec tous les plaisirs que ça inclut. Il faut que tu puisses savoir que ce n'est pas la paix. Ce n'est que de la distraction qui fait que tu oublies c'est quoi la paix. Et pour toi, c'est plus facile d'avoir de la satisfaction immédiate que d'avoir la satisfaction où il faut se poser, arrêter, regarder, observer pour comprendre que tout l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est au-delà de tout ce que tu peux penser. Ce que tu peux penser est éphémère. Ce que tu peux penser sont tes désirs, les envies, la façon dont tu aimerais être. C'est ça, penser. La pensée, elle est ok. On en a tous besoin. Mais elle devient une entrave quand cette pensée nous utilise. Elle t'embarque. Elle te dit comment le monde devrait être, comment tu devrais te comporter, comment tu devrais faire les choses. Alors que, au fond, ce que tu es, ce silence, cette paix profonde que tu es, c'est ta vraie nature. Et personne ne peut te la dicter. Aucune pensée sur la terre ne comprendra cet état de fait que tu es, cette paix, cet amour, cette joie. Et si tu veux y retourner, ce ne sont pas les pensées qui vont t'y emmener, c'est toi-même. Donc, les pensées t'emmènent vers l'illusion de ça. Elles te dictent comment faire pour avoir cette paix. Mais c'est de l'illusion. Elles te mènent en bateau, parce que tu les écoutes, parce que tu te laisses embarquer par eux. Tu n'es pas un observateur de ces pensées. Elles sont toi-même. Tu t'es identifié avec elles.
Mais quand tu es observateur de toutes ces pensées, tu deviens celui qui peut voir toute la cohue de ce qui se joue dans les pensées. Et ce qui se joue dans les pensées, c'est un conditionnement qui t'a été inculqué depuis la nuit des temps. Tes aïeux te l'ont inculqué. C'est ton héritage, dans tes gènes, dans ton ADN, tout est là. Dans ton corps, tout est là. Alors, avec cet esprit lucide qui regarde depuis ce silence, il peut voir la cohue, il peut voir l'infâme, il peut voir l'illusion. Et quand il a vu l'illusion, plus rien ne peut l'embarquer, parce qu'il sait. Il sait ce qui est vrai et il sait ce qui est faux. Sais-tu ce qui est vrai et sais-tu ce qui est faux dans ta vie? Ou bien es-tu confus? Parce que la pensée t'a rendu confuse. Parce que la pensée dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça j'aime pas. Donc tu te bases sur les pensées. Mais là, il s'agit de ne pas se baser sur ce que la pensée propose, mais sur ce que ton cœur vit, ce que tu es. La plus profonde chose en toi. Et là, dans ce havre, et c'est à partir de là qu'une perception propre peut émerger. Et de cette perception, l'action sera faite. Parce que d'une telle perception, l'action, elle est parfaite, elle est ordonnée, elle est créative. Mais la perception depuis la pensée, depuis le tourbillon, depuis tous les malentendus, les confusions, cette perception créera toujours, toujours de la confusion et du chaos. Le chaos dans le monde que nous connaissons, elle est faite comment? Par ces pensées qui nous disent comment la vie devrait exister. Donc, nous sommes tributaires de nos pensées. Nous sommes esclaves de ce que la pensée propose, puisque ce sont des actions compulsives que nous faisons. Nous ne sommes pas conscients. Nous sommes, à ce moment-là, identifiés à la pensée. Et c'est ce qui rend l'esprit inconscient. On est inconscient de ce qui se passe. Parce que nous sommes dans la compulsion, dans le réflexe, dans l'habitude, les train-train. Et c'est ce qui rend l'homme intègre. Dénué de toutes ses capacités. Et pour avoir ces capacités de l'être que tu es, il y a cette vision que tu dois chérir. Comment tu réagis, toi? Tu peux voir ce que tu fais. Tu peux remarquer comment tu traites le chien, comment tu manges, comment tu traites monsieur le maire et son jardinier. Comment tu regardes ça? Comment tu réagis dans la vie? Quelles sont tes impulsions? Quels sont tes réflexes? Tu peux les voir, mais il faut que tu sois attentif. Attentif à ce que tu vis. Chose que la vie nous empêche des fois de le faire, parce que nous sommes distraits. Nous sommes distraits par la vie mondaine. Et nous sommes toujours dans la distraction. Nous sommes toujours en recherche de quelque chose qui va nous subjuguer, nous faire sortir de ce petit nid douillet que nous avons construit, la zone de confort dans laquelle tous on s'est installés. Pour la plupart, tous, pour la plupart.
Je dirais 80, 90%. On est subjugué. On est dans l'affairement de toute une distraction dans ce monde pour ne pas être dans le silence. Donc les pensées occupent nos têtes, occupent nos vies, et ce sont elles, nos perceptions. Et une perception à partir du vent est illusion. La vraie perception, elle est dans le silence, ou quand tout est calme, quand tout est reposé, quand on peut voir, quand il n'y a plus de chahut, les choses deviennent claires, claires comme l'eau de roche. Alors, tout ce qui est éphémère prend fin, et tu regardes la vie à travers les faits, et non pas à travers ce que propose la pensée, qui est du vent.